Eh bien salut les amis, c'est Kamado, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Super Mario 64, peut-être le 13ème ou peut-être le 12ème, peut-être le 14ème, le 13ème je pense. Dans tous les cas n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, on continue, on a 99 étoiles, on est bientôt au 100 étoiles, bon il y en a 120 dans le jeu donc c'est pas tout à fait fini mais bon c'est quand même la dernière ligne droite, enfin on va l'entamer, là, bientôt. Les amis, merci à tous de suivre cette série, ça me fait quand même super plaisir, j'essaye de faire des montages sur les vidéos et j'avais peur au début que genre je passe du temps, parce que c'est quand même du temps à faire des montages, que je passe du temps à en faire et que final, bah ça vous plaise pas, et finalement ça vous plaît, et c'est moi où Mario est en train de s'endormir pendant que je suis en train de raconter ma vie. Punaise, debout là! Ok, c'est bon. Alors, donc là on est reparti pour l'île Grand Petit, et après on va faire un nouveau niveau, mais d'abord ce serait bien de faire l'île Grand Petit. Donc allez, go, je sais même pas trop quelle étoile ça va être maintenant, ce serait bien de faire le boss à un moment. 5 tout petits secrets. Oh, ils sont sérieux? 5 tout petits secrets? Donc je dois trouver des secrets quelque part, mais j'ai bien entendu aucune idée de où c'est ou ce que c'est. Peut-être là? Non mais ça me rappelle le monde trempé séché ça. C'était pas un secret ça. Mais c'est quoi cette histoire de secret là? Là-bas il y a un truc. Ah mais là normalement il y a une étoile. Mais ouais mais pour la voir il faut être... Enfin faut être en petit je crois. Je sais pas du tout ce que c'est que le secret, hein. Je vois pas du tout de quoi ils veulent me parler. C'est peut-être tout là-haut, non? Là, il n'y a pas le bouton. Non, là, il n'y a pas le bouton. Je n'en ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Encore une fois. Pourquoi il n'arrivait pas à sauter, là? C'est comme s'il était dans des sables mouvants. Alors qu'il n'y avait pas de sable mouvant. Merci, Mario. Et avoir l'étoile des 100 pièces ici, ça risque d'être compliqué. Genre, j'ai vraiment beaucoup de mal à savoir où je vais toutes les trouver. Genre, alors lui, bon, normalement, il n'est pas d'un très grand danger, mais le problème, c'est qu'il peut me pousser, donc... Waouh, waouh, waouh. Par contre, faut que j'aille là. Parle-lui. Ok, c'est bon. Salut l'ami, je vais te préparer un joli canon. Merci. Là, le canon, il est déjà prêt. Mais ouais, attendez. On va essayer de monter, hein. Je sais pas où ça peut être. Oula, oula, super. Ok, Mario, ok, Mario arrive à monter quand même. Oh, oh non, non! C'est bon. Non, attendez, on peut pas monter comme ça, là? Je vais mourir, là. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est quoi ce punaise de tout petit secret, là? Bon, monte! Oh là 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 là, j'ai trop de mal. J'ai plus de mal dans le niveau petit que dans le niveau grand. Ah, il donne quand même une pièce 5, lui. Quoi? Ça, c'est un secret. D'accord. Et si j'y passe en étant petit, c'est un secret aussi? Non, c'est absolument rien du tout. Donc en fait, ça va être la même chose que dans le monde trempé séché, c'est-à-dire que dans la version petite du niveau, il va falloir que je fouille partout pour trouver des secrets. D'accord. Ok, super. Bah, il doit y en avoir peut-être un tout là-haut. Non, 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 non. Oh punaise, oh punaise. Ah, il y en a peut-être un aussi là-dessus, attendez. Là-dessus, là. Je vais donner de l'accrodéo. Ah, mais parce que c'est mal parti, là. Des secrets, j'en ai un. Sur 5. Ça risque d'être vraiment compliqué de tous les avoir. Donc là, je peux pas passer quand je suis petit. Mais si, je peux. C'est juste un peu compliqué, mais on peut. Ok, allez. Non! Punaise. Oh punaise, ça va me saouler. Bon, doucement, 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 je veux pas retomber. Ok, c'est bon. Quoi? Quoi? Pourquoi il glisse là-haut? Il est pas sérieux, Mario? Pourquoi il glisse là-haut? Ça n'a pas de sens. Oh! Ça, ça va m'aider. Vas-y, je pense. Ouais, peut-être pas, en fait, en vrai. La gestion des pentes dans ce Mario est super bizarre. Genre, des fois, tu peux marcher sur des toits qui sont, genre, super orientés. Et là, des trucs comme ça, ils galèrent. Oh punaise! Oh punaise! Il se fiche de moi! Quoi? Ok, quand on passe à la première personne, ça marche bien. C'est un deuxième secret. Ça, c'est bien aussi. Mais c'est juste pour aller au boss, ça. Donc, d'ailleurs, je sais même pas où est l'entrée, en vrai. Je sais pas du tout. Mais bon, ils sont où, les autres secrets, là? Il y en avait pas un sur l'île là-bas. C'est bizarre. Il y a une île là-bas qui a l'air de servir à rien. C'est trop chelou, ça. J'y suis déjà allé, pourtant. On y retourne, mais... Il n'y a rien, hein. Et après, le temps passe, le temps passe. J'avais déjà récupéré l'étoile, hein. Enfin, la pièce en plus, ça fait rien. Ok, allez. Essayons d'aller par là, je sais pas.
Je vois pas du tout ce que ça pourrait nous faire en vrai. Mais attendez, mais c'est quoi ces 5 secrets là? C'est complètement pété cette étoile. What? Ok. En fait, c'est dans les entrées. Ouais. C'est lequel le deuxième que j'ai eu d'ailleurs? Je sais même plus ce que c'était. En fait, c'est dans les trous. Bon, me demandez pas pourquoi c'est comme ça. J'en ai absolument aucune idée, mais apparemment, c'était ça le secret. D'accord. C'est risqué d'aller par là, non? Oui, c'est très très risqué. Je devrais plutôt faire le tour. Non, non, on a déjà parlé, toi et moi. C'est bon, ok. Le tour. Ah oui, oui, mais par là-bas, tranquille. Oh, wow, 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 je fais des coups de ouf que j'ai même pas envie de faire, mais bon, je les fais quand même. Ah non, non, non. Et après, je me ramasse sur ça, super. Donc, l'étoile était bien arrivée à l'endroit bizarre. Je me disais, c'est chelou, il est là-bas, il sert à rien. Non, il sert pas à rien, il y a une étoile. Ça va être quoi la suivante? Parce que franchement, j'ai plus souvenir de grand-chose sur ce niveau. Ok. En plus, très bien cette plateforme où quand il va, bah si jamais le bouton, enfin le temps du bouton arrive à zéro, t'es bloqué pour toujours, tu peux plus en partir. Ça, c'est super bien fait. Et c'était notre 100e étoile. Et complètement éclatée d'ailleurs cette 100e étoile, hein, genre. Allez Mario. Mais attendez, mais c'est trop bizarre ce qui se passe ici. J'ai l'impression qu'il s'allonge le couloir au fur et à mesure qu'on y va. Genre, il paraît pas si grand quand même quand on y est. Les pièces rouges du gigoteur. Bah alors c'est peut-être le moment d'avoir l'étoile des 100 pièces. Ça va être un petit peu relou. Après il y a les plantes, je crois que les plantes elles donnent 5 pièces. Donc ça, ça va, ça nous aide bien. Ça si je tourne autour, dans le sens horaire, donc c'est dans l'autre sens. Est-ce que ça va me donner 5 pièces comme dans le premier niveau? Ah ouais, nickel. Nickel, ça c'est bien. Bon et quand tu l'enfonces par contre tu gagnes rien, donc c'est même pas la peine. Quoi? On peut tuer le Lakitu? Ah je savais même pas. Je l'ai pas fait exprès en plus. Bon par contre je vais louper toutes les pièces. Ok j'en ai une. Et l'autre. Ah elle a pas disparu? Elle a pas disparu? Ah mince, elle a disparu juste au moment où j'arrivais. Relou. Donc toi viens là. Non 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 non, viens viens. Ah maintenant il monte. Ah non non. Et punaise. Oh là là, ça va être relou. Ah c'est bon. Ah non 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 non, descends 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 descends. Parce que là ces pièces là je veux pas les louper hein. J'en ai déjà loupé 2. C'est déjà trop pour moi. Ok super, là-bas il y en a 2 de plus. Par contre s'ils mettent à cheval les pièces une par une ou 2 par 2, c'est quand même assez long je pense d'avoir les 100. Surtout que ce niveau, y a, mine de rien, il y a quand même pas mal de vide. Ok vas-y, ça va me servir à quelque chose, je vois rien. Allez là-haut. Comment on y va ça? Avec le canon je pense. Je sais même pas si ça sert à quelque chose en vrai, hein, mais là je peux monter. Non, si. Ah, ça sert quand même à... Wow, wow, wow. Cette carapace sert quand même, alors. Ah, mince. D'accord. Ça aurait été rapide, tout ça. Mais essayons quand même d'y aller sur cette île, mais ça va être grave compliqué, hein. Ouais, s'orienter correctement, là. J'imagine qu'il faut culbuter le truc... je suis trop bas. Ok, je suis bien trop bas. Qu'est-ce que... Il y a des pièces qui sont tombées. Quoi? On a entendu un bruit de pièces trop bizarre. Quoi, il y a des pièces là-bas, mais what? D'où? Oh, j'ai dû. Ah non, j'ai dû tuer le mascasse, mais. Grâce au canon. Ok, d'accord, j'ai même pas fait exprès. Bah, super, c'est encore des pièces gâchées. Waouh! Bon, alors. Repérons-nous en nous mettant par rapport au nuage. Non, c'est plus haut. Insupportable. En vrai, j'abandonne ça, hein. C'est juste 5 pièces, c'est pas essentiel. Tu comptes descendre? Ils sont sérieux? Ok, d'accord, donc je vais pas gagner la pièce ici, super. Ça me fait toujours trop peur de voir se jeter dans le vide, c'est ultra contre-intuitif. Ça, c'est une vie, non? C'est dommage. Ah, ils pourraient nous donner 5 pièces, hein, et à la place, ils nous donnent une vie. J'en ai pas besoin, ça. Ah, il y en a encore un là-bas. Mais bon, 28 pièces, c'est rien. Oula, 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 oula. Je pense que lui, on va l'ignorer. Surtout qu'il a pas l'air de vouloir venir vers moi. Donc là, il y a bien des pièces qui apparaissent, non? Enfin, pas qui apparaissent, mais qui sont là, mais qu'on les voit pas. Parce que bon, la caméra... Enfin, pas la caméra, mais la vision, ok. Wow, wow, wow. Vas-y, super. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? Ah, c'est lui. Oh non, non, lui, je vais pas essayer de le tuer.
Après, je loupe quand même pas mal de pièces finalement. Il y a pas mal de trucs que je les passe en disant non, c'est compliqué et tout, mais ce serait quand même des pièces en plus. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il fait dans un enclos, lui, le pauvre? Je sais pas pourquoi ils ont voulu l'enfermer ici, mais bon. D'ailleurs, est-ce qu'ils en parlent, genre de l'enclos à Goomba? Je m'entraîne, je reviens plus tard, coupa rapido. Ah! Ah, et le panneau qui est toujours là, même quand coupa rapido est juste ici en vrai. Ah, mais les pièces rouges, elles sont là-dedans. Donc en vrai, ouais, c'est pas la peine que je récupère les pièces qu'il y a là pour l'instant. Parce que de toute façon, j'y reviendrai. Mais comment je vais devenir grand là? Enfin, comment le... Ouais, si c'est bien ça. Punaise. Oh là là là, je déteste ce niveau. Attendez, quoi? Attendez, quoi? What? En tuant les Goombas avec une charge au sol, on gagne 5 pièces au lieu d'une? C'est que dans ce niveau ou c'est comme ça depuis le début du jeu? Parce que je dois dire en toute honnêteté que j'étais pas au courant. Et que ça aurait quand même changé beaucoup de choses. Si c'est que sur ce niveau, c'est quand même un peu chelou. Hein. Mais ça ne m'étonnerait pas. Mais attendez, mais alors c'est grave facile cette mission? Punaise, toute l'argent à côté de laquelle je suis passé! J'en ai 83! Et là, si je meurs, je m'en fiche un peu parce que finalement, je le refais assez rapidement ce truc. Puis il y a le Koopa qui est en bas aussi, je suis pas allé là encore. Si, non, je suis pas allé là. D'accord, ce sable-là, par contre, on s'enfonce pas dedans, on reçoit des dégâts, alors que dans les autres sables, pourtant, on s'enfonçait. Je sais pas pourquoi. Vas-y, toi. Ok, très bien. Non, mais c'est bon, il y a presque pas besoin d'aller dans la grotte, en fait. Je vais y aller quand même, mais il y a presque pas besoin. Je vais revenir au début, je sais pas si j'ai tué les Goombas qu'il y avait au début. Ah non, ils sont là! Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai mes pièces. Allez. Enfin, j'ai mon étoile, surtout. Waouh! Mais attendez, mais c'est tellement bien, ça! Mais genre, mais quelqu'un le savait? Bah, si vous le saviez, dites-le dans les commentaires, mais je... What? Je le découvre, là! Je... Ok, ok. Mais j'aurais combien de pièces si j'avais fait le truc comme il fallait? J'en aurais déjà 130 ou 135, j'en sais rien. Ça, je l'ai pas fait, en plus. Alors, c'est pas comme si j'aurais 150 pièces, mais... Ok, ok, bon bah, on en découvre tous les jours sur ce Super Mario 64. Je suis sûr que c'est... Ah, j'aurais pu sauter directement sur le truc, mais ça paraît chaud quand même. Allez, comment on perd la carapace là? Vas-y, prends-toi un mur, mais ne tombe pas dans le vide après. Hein. Ouais, un mur, non? Ok, mais pas lui, non, non! Waouh! Je ne suis pas mort, je sais pas si je peux remonter là. Oh, le vent qui s'arrête juste au moment. Oh, d'accord, ok, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai eu l'étoile que je voulais. N'y allons pas avec la carapace quand même, parce qu'on a bien vu ce que ça faisait la carapace. C'était génial. Donc, il faut que je remonte ici. Sans aller trop haut, sans tomber dans le vide, sans aller trop bas. Ok, c'est bon. Waouh. Chaud, hein. Vas-y, donne-moi 5 pièces. Pouh, toutes les pièces à côté de lesquelles je suis passé. Alors, ça, j'aime pas. Le chemin est vraiment trop petit. Vas-y, on se met en mode Mario. Ok, là la caméra elle est de notre côté. C'est normal, il y a un petit Mario en bas, donc ça veut dire que là c'est Mario qui la dirige. Il passe ce gros lucky-tude de ses morts. Il y a du vide je crois ici. Oui, et d'ailleurs on voyait rien avec cette lumière, super. Wow. La caméra elle peut pas repasser en mode normal, là c'est ça le mode normal. Bon, encore une fois elle est pas de notre côté hein. Ok. Ça c'est bon. Attendez, mais il y avait un truc à pièces bleues aussi là-haut. Oh là là là. Mais franchement, mais ici. Ils veulent vraiment que tu l'aies cette étoile. Cette étoile des 100 pièces. Comment je fais pour aller là-bas? Ils sont sérieux? Ok. Là il y a une pièce rouge, je crois, là-haut. Wow. Attendez. Ah, oui, il y en a une. Mais ça demande encore le truc. Ah, peut-être que je peux m'accrocher là-haut. Peut-être, attendez. Il y a une grille, donc quand il y avait des grilles, souvent on pouvait s'accrocher là-haut. Ok, super. En fait, je crois pas. Ce serait trop beau. Attendez, essayons, mais... Non, j'y arrive pas. C'est déjà go là. Et là... Elle est trop haute. Et on peut pas s'y accrocher, d'accord. Bah, ça aurait été logique. Donc forcément, c'est pas le genre de truc qu'ils font dans ce jeu.
Après ça là c'est une pièce rouge, si jamais je perds, bon bah tant pis hein. Faut que je fasse un saut mural là-dessus. Non ça ils sont pas ça, ça je peux pas faire ça. Oh punaise. Wow, il m'a fait trop peur là. Ça mais quelle horreur, qui a eu l'idée de faire ça? Même comme ça c'est serré quoi. Ok alors non 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 non. J'étais juste à côté quoi. C'est bon, enfin j'avais tout. Ça c'est gratuit. Non mais attendez, non non non. Alors là. Ok, ça aurait été tellement bête de tomber dans le vide ici. Possible, hein, mais un peu bête. Bon ça va, l'étoile est juste là. Donc il suffit juste de faire le saut mural sans tomber dans le vide, s'il vous plaît. Oh, juste un saut mural. Et c'est bon, on l'a. Alors aujourd'hui, là, dans cette vidéo, ça ne va pas très vite les étoiles. Hein, genre, on a été habitué à mieux. On sent deux étoiles. Et là, bah, ça va être parti pour battre le boss de ce niveau. Et après, il faudrait quand même commencer un autre niveau tout de même. Ça fait pas mal de temps qu'on n'est pas allé dans un nouveau niveau, je crois. Énervé, le gigoteur, ils sont pas sérieux. Me dites pas que le gigoteur, c'est Wiggler. Ok, je quitte ce monde. Il me semble que pour énerver monsieur le gigoteur... ça me fait trop marrer. Le premier truc, c'est déjà d'arriver tout là-haut, mais là c'est plutôt moi que ça va énerver. Ouf, c'est bon, ça va pas énerver longtemps. Donc là, voilà, je vais en intercrudo et là il y a un trou. Donc comme il y a un trou maintenant, faut, oui, aller dans ce tuyau et remonter. Et là, on va arriver chez le gigoteur, comme il l'appelle. On dirait un trou de canon. Genre, ils ont pris les mêmes tailles et tout. Yes! Ouah! Vas-y, lui! T'as inondé ma zombée! Oh wesh, mais il vient de la street, là, le gigoteur. Pourquoi t'as fait ça, yo? T'es pas cool, toi! Regarde, mon toit est fichu et mon plancher est trempé! Non! Ça me rend ouf de voir ça, complètement starbé! C'est à cause de cette étoile! Je suis sûr qu'elle me porte la poisse! Saleté, va! Mais comment il parle, ce mec? Donc attendez, il est où? Que vous voyez bien le... Voilà. Ça, c'est Wiggle moche. Bon, en vrai, c'est cette Wiggler, mais... Là pour le coup on dirait pas une chenille, on dirait vraiment un ver moche. Attendez, moi j'ai un Wiggler, je vais vous le montrer, il est bien plus mignon que ça. Ok c'est bon, je l'ai, le voilà. Alors bon, je pouvais pas vous montrer genre moi me déplacer, j'étais obligé de couper parce que le petit secret c'est que quand je fais les vidéos, généralement j'ai rien après mon t-shirt. Donc voilà, voilà, je voulais pas vous choquer. Bref, le voilà, le petit Wiggler, il est trop mignon. Donc là, c'est quand même un vrai Wiggler plutôt que ce machin-là. Bon, comment on fait déjà pour le battre? Je sais même plus trop, je pense qu'il faut lui sauter dessus, ce qui est pas très logique, vu que dans Super Mario World, ça les tuait pas de leur sauter dessus. Mais bon, allez, go, comment on fait? Il est là, il vient vers moi. Ah non, il vient pas vers moi. Yes, ça va, petit. Il n'a pas l'air de marcher. D'accord, sur la tête, peut-être. Oh! Mais là il va se vénère. Ah non, ça suffit. D'abord tu mouilles, ensuite tu m'écrases la face. Grrr, pas cool Bob. Tu cherches le contact? Tu proposes un octogone sans règles? Non, 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 je cherche pas le contact. Oh, oh, oh. Bob? D'ailleurs pourquoi il m'appelait Bob? Oh, je lui ai fait des dégâts, mais j'en ai pris aussi. Hé, lâche-moi un peu, ça fait deux fois que tu t'essuies les pieds sur ma tête. Par contre j'avais pas très envie de voir ses fesses comme à Wiggler. Tu me cherches quoi? Coup de boule. Waouh, waouh, waouh. Oh, maintenant il saute. Ah d'accord. Faut pas les choses à moitié là le mec. Ok ça va, il évite là, il fait des petits dodges. C'est bon? Gah, pauvre type va, tiens, lave là ton étoile. Je m'en fiche, je peux en avoir d'autres. Allez, à la prochaine, cool Abdoul. Abdoul? Abdoul? Mais c'est un prénom Abdoul, comment ça cool? Bah ça rime c'est vrai, cool Abdoul. Ils sont pas sérieux les traducteurs. C'est une grosse blague là, mais franchement c'est Wiggler de la street là, c'est peut-être pour ça qu'il est si moche. Oh! En plus il est devenu tout petit, après il est tombé dans le vide. Chez. Et voilà, on a notre étoile. Bon, bah on aura eu toutes les étoiles de ce niveau. Ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir partir dans un nouveau niveau. Attendez, ouais, ça c'est fait. Et je vois pas ce qu'il y aurait eu de plus, en fait, à faire ici, regardons. Et oui, il faudra faire la trop haute montagne et les deux niveaux qui restent. Aïe. Bah alors, l'avant-dernier niveau du jeu. C'est parti. Ok, j'entre à n'importe quel moment, on s'en moque pour la première étoile. Je crois qu'en plus, il faut que ce soit en route. Donc, roulement dans la cage. Ce niveau... pas mal, pas mal. En vrai, il est pas si facile, hein. Il est vraiment pas facile, mais pour le coup, bien trouvé, là. Genre, il y a vraiment une bonne idée et tout. Et non, j'aime bien, j'aime bien. En plus, il y a vraiment un bon concept, genre, en fonction du moment où...
Ok. Super. Je répète, il y a un bon concept, et ça fait que si on entre au moment où, genre, elles se croisent, je crois. Bon, c'était pas ce moment, quoi. Mais il me semble qu'il y a un moyen, genre, bah, c'est pas il me semble, c'est je suis sûr, mais je sais plus lequel c'est, de faire en sorte que, genre, le temps soit arrêté, ou que le temps soit plus rapide, ou plus lent, etc., etc. Donc, enfin, etc., etc., il n'y a pas de etc., etc., il n'y a que ces trois solutions, donc. Mais c'est cool, c'est vraiment une bonne idée. Après, comme j'ai dit, on arrive dans les derniers niveaux du jeu, donc c'est plus si facile que ça. C'est quoi? C'est des pièces ou c'est une vie? Des pièces. Faut retenir, parce que l'étoile des 100 pièces, là, je pense que ça va pas non plus être très fun. Alors ça va pas être fun non plus. Hein. Parce que là, les deux trucs tombent. C'est quoi ces pièces rouges qui sont toutes au même endroit? Ok, super. J'y étais pourtant. What? D'accord. Ah, mais si on saute, on peut éviter les trucs. D'accord, ok. Donc pas la peine de trop se presser non plus, en fait. Ça nous pousse. Probablement. Les pièces rouges, je pense que ça va pas être si difficile que ça. Après, peut-être que je vais m'en mordre les doigts. Mais j'ai l'impression que ça va pas l'air d'être si compliqué que ça. Ok. Go. Par contre, pourquoi il y a une brume? Ça, je comprends pas. Le niveau est cool, hein. Mais je vois pas trop pourquoi il y a une espèce de brume, en vrai. C'est ça? C'est ça, la première étoile? Ouais, ok, d'accord. Peut-être que c'est ça, hein. Par contre, c'est dommage de pas avoir une vue d'ensemble du niveau parce qu'on a du mal à s'y repérer quand même. Genre, comme à chaque fois, la caméra elle est derrière et tout, c'est bizarre. Roulement dans la cage, bah c'était ça. Ok, bah tranquille, tranquille. On peut en refaire une quand même parce qu'on a passé quand même beaucoup trop de temps sur l'autre niveau là de ces morts. Donc, le trou, les trous et le pendule. De quoi parle-t-il? Wouah, 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 wouah! Ah, c'était plus rapide que prévu là! D'accord, ok. Mais je sais pas si c'est peut-être mieux d'y être quand c'est arrêté. Mais comment on fait pour que ça s'arrête? Ah là, elles sont pas tout à fait croisées. Je sais plus comment on fait. Faut que je regarde sur internet. Je vais devoir re-regarder une soluce. Parce que là, c'est pas arrêté. Ah, mais là, il y a d'autres trucs. Ah, mais là, il y a les pièces rouges. Ah, mais les pièces rouges, c'est pas ce qu'on veut faire pour l'instant. Là, il y a le pendule. Et donc? Ah oui, il y a une étoile là-bas. Donc effectivement, fallait pas que ce soit arrêté le temps. Hein. Bon, bah maintenant, patientons. Ça met vraiment une minute à faire le tour. Genre, c'est seconde par seconde. J'en ai bien l'impression. Non, je me loupe pas, hein, parce que je repars pas pour une minute de... Eh bah si. C'est bon là? On va enfin y arriver? Le amp, non. Surtout pas. Ok, suffisait de faire un petit saut. Bon, ce niveau je l'aime bien, mais en fait il est vraiment tout petit, je crois. Donc c'est pour ça que la plupart des étoiles, en fait, elles sont quand même un petit peu rapides à voir et un petit peu placées n'importe comment. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, c'est quand même un niveau dont j'aime bien le thème. Et bien les amis, nous on va rester là pour cette vidéo de Super Mario 64 sur Nintendo Switch. J'espère que ça vous plaît toujours. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Je bafouille encore. Plus que 15 étoiles, c'est pas grand chose. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et on va arriver au pire niveau, sa mère. En tout cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et à la prochaine, les amis. Salut.